I be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'avez pas de soucis particuliers. Moi, bon, ça va, le plus gros souci est arrivé pour le moment. Bah, je me relève d'une blessure en fait, qui était un peu normale, comme vous avez vu ma dernière vidéo. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez vu, une dégustation de rêve, puisque en vérité, je ne sais pas si je suis sorcier ou... Je suis parano, je sais pas, je comprends pas. En fait, je vais vous expliquer vite fait ce qui m'est arrivé. Parce qu'en fait, moi, je faisais des courses. Une fois, je me suis levé le matin tôt, je vais pour faire des courses et tout. Et je cherchais des neshi, ce que vous avez vu là, au début de la vidéo. Des neshi, je voulais me faire en fait un repas japonais. Et je cherchais, je trouvais pas, j'allais dans les magasins et tout, il n'y en avait plus et tout, je cherchais. Et après, du coup, j'ai lâché l'affaire, j'ai laissé, j'ai dit c'est bon, c'est pas grave, je vais manger autre chose, je vais manger des frites avec je sais plus ce que j'ai mangé, ou des pâtes, peu importe. J'ai laissé tomber. Et après, en fait, j'y pensais même plus. Hier, mon ami, il est arrivé, mon pote, il est arrivé. Et il me ramène carrément ça, ce que je cherchais de partout, que j'avais abandonné l'affaire. Je dis, mais c'est trop. Je dis, mais c'est génial. Ça m'a remonté le moral, j'étais super content parce que c'est ce que je kiffe trop. Deux fois, je passe mon temps à manger ça devant ma télé. Je kiffe trop manger les repas japonais, que ce soit les boules de neige et tout. Je kiffe manger. D'ailleurs, même, je devrais faire une vidéo un jour de boules de neige. C'est un repas, ceux qui connaissent savent c'est quoi, c'est une petite boule blanche et tout blanc en fait, dedans il y a de la viande, en fait c'est des légumes et tout mélangé et tout, enfin bref. Et du coup la personne m'a emmené ça, j'ai dit ben voilà, j'ai juste à penser à quelque chose, à essayer d'avoir quelque chose, qu'on me l'emmène. Et j'étais super content et je remercie vraiment mon pote Karim et son cousin qui m'ont emmené ça hier. On passe beaucoup de bons moments puisque franchement ça fait plaisir d'avoir des gens qui m'accrochent et qui restent avec moi, qui sont là en train de me soutenir, on fait des activités. Bon, j'essaie de pas trop rester seul et tout, parce que c'est difficile quand on pense au souvenir d'une personne, un proche qu'on a perdu, et puis des gros souvenirs. Et puis du coup, ben voilà, à chaque fois qu'à un moment donné, là, je suis un peu dans la solitude, je suis pas bien, il m'envoie un message, il me dit, tu fais quoi? Allez hop, il me bouge un peu et tout, il me fait sortir sur Lyon et tout, et c'est génial. Franchement, je remercie, j'aime bien les gens comme ça, qui pensent aux gens qui sont mal pour aller les chercher, les pousser à se relever. Parce qu'aujourd'hui, si je commence à aller mieux, c'est que c'est grâce à ces gens-là. Donc bon, voilà, je vais arrêter de trop parler. Je vais déguster mon repas de bonne qualité. C'est une dégustation que j'avais déjà fait à Noël et que j'aime bien faire. Du coup, voilà. Et comme vous avez vu dans la vidéo, je pense que vous avez vu le petit truc blanc que vous avez mis qui est un peu jaune avec la fumée qui est juste là. En fait, ça, c'est pour les odeurs, en fait. C'est un truc que j'ai découvert avec mon pote, en fait, il en avait acheté un. Et comme moi, j'aime bien mettre, je suis pas maniaque, mais j'aime bien mettre des trucs de parfum et tout chez moi. Et du coup, je l'ai pris en blanc et voilà, là, je l'ai mis là. C'est ça qui fait un peu de fumée, en fait. En fait, j'ai mis sûrement peut-être que je vous montrerai un jour, je vous ferai une vidéo si vous êtes d'accord, si vous mettez dans le commentaire, si vous voulez une vidéo. En fait, il y a un petit produit qu'on met dedans. Et ça met de la petite fumée, parfumée, c'est super bon. Moi j'ai mis orange,
Et là, ça sent l'orange, c'est super, c'est bien, c'est très... J'aime bien ce machin-là, c'est très très bien. C'est ce que vous avez vu au début de la vidéo avec la fumée. En fait, il y a de l'eau dedans, et puis après, on met des gouttes de parfum pour que ça sent bon. Et puis voilà, bon, on va manger cette dégustation de bonne qualité. D'ailleurs, nous allons commencer la dégustation avec une part de saumon avec le riz, hein, parce que c'est la tradition japonaise qui est... Mais ça, c'est... j'aime trop ce repas-là, c'est... Je sais pas comment dire, j'aime bien, c'est trop. Du coup, je vais vous montrer vite fait, petit par petit, ce que je mange. D'ailleurs, là où je vous parle, j'ai oublié la sauce. La petite la sauce est là sur le côté, là, j'ai oublié, elle est juste là, sur le côté, là, dans ma petite cuisine. Donc, je vais chercher la sauce et c'est parti, on va déguster ensemble ces petits repas. De qualité, bien sûr, parce que quand on mange ça, on devient quelqu'un de qualité. Si vous êtes bien d'accord avec moi, moi, quand je mange un truc qui est très, très bon, je me sens qualité. Je me sens que, on dirait, j'ai la qualité sur moi. Je sais pas, ça veut dire que je me sens performant, je me sens fort et tout. Enfin, bref, je parle. Il vaut mieux dire des conneries que pour rigoler et tout. Et n'oubliez pas de ne pas avancer trop la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, bon, j'ai oublié de vous dire, avant la fin de la vidéo, je sais même plus quoi dire. Finissez la vidéo, puisque à la fin de la vidéo, je vais manger une glace de qualité, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement, on savoure tranquillement, on mange tranquillement ce petit repas, cette petite dégustation chinoise. Et à la fin de la vidéo, je mangerai une glace exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle, c'est ma glace de l'été. Enfin, c'est une de mes glaces d'été. Bon, je vais chercher la sauce. Enfin, la sauce. C'est l'huile ou la sauce, je ne sais pas. Attendez deux minutes, parce que là, j'ai oublié quelque chose, un ingrédient. Voilà, j'ai récupéré la sauce là vite fait, puisque j'ai voulu faire ma petite décoration vite fait. En fait, comme vous avez vu dans le début de la vidéo, il y a des petits haricots, des petits trucs d'haricots là-dedans. Regardez, c'est, dedans, il y a des haricots. C'est ça, en fait, il y a des haricots. D'ailleurs, je vais le ouvrir pour confirmer, puisque je parle, mais il faut que je vous montre quand même. C'est bien des haricots. Ouais, je dirais que c'est des haricots. Hein. Je connais vraiment pas, mais c'est des haricots. Ouais, c'est bon, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Ouais. Je sais pas si c'est des haricots. Moi, je dis des haricots. Bon, je vais appeler ça des haricots, mais. Ouais. Je valide, c'est très très bon. D'ailleurs, je pensais même pas que j'allais les manger. Je les pris, mais je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais manger ça? Moi, c'est pas ça qui m'impose, c'est ce qu'il y a à côté. Du coup, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Et puis là, j'ai pris la sauce. Je crois que c'est une sauce. On va dire c'est une sauce japonaise là. Voilà, c'est une sauce un peu simple. On l'ouvre et on met l'huile et tout ça. Puis voilà. Désolé, je peux pas prendre la caméra en même temps que je mets la sauce, etc. et tout. Je fais comme ça vite fait quoi. Voilà, je vais mettre la sauce tranquille sur un petit cube, comme vous avez vu dans le début de la vidéo. Je mets la sauce dessus. Et puis je vais vous montrer. Là, je crois que je vais le manger en une fois, en une gorgée. En une gorgée, je vais le manger. Je vais pas me casser la tête. C'est très bon ça. Non, mais dans le monde, on fait des choses exceptionnelles. Vous parlez. Manger des trucs comme ça, c'est pas tout le temps. Regardez. J'ai mis la sauce dessus. Je sais pas si ça va couler. Si vous voyez un peu. Il y a le saumon. On voit bien l'espèce de saumon. J'attends que le flou part un peu. Voilà, vous voyez bien. C'est la qualité, hein. C'est très très bon, franchement. Vous voyez comme ça, mais c'est très pas bon. Allez, 1, 2, 3. Non. Merci, bon Dieu, de me donner du manger comme ça, de me savourer tout le temps, toute ma vie, savourer comme ça, c'est trop bon. Parce que là, quand je mange ça, en fait, quand ça rentre dans mon cou, là, vous voyez, quand ça rentre dedans, ça me met un calme exceptionnel. Je me sens vraiment quelqu'un. C'est comme si, comme quand je bois du maté, c'est pareil, on dirait. C'est vraiment exceptionnel. Bon, allez, le prochain.
le prochain cube, c'est avec, vous savez le cube, bon, je vais vous montrer le cube là où il y a du, je remets la sauce dessus. Là, il y a de, le petit rond là où en fait, il y a le saumon à l'intérieur, il y a le truc noir, je ne sais pas comment il s'appelle ce truc noir. Et autour, il y a du riz. Je vais le prendre à la main parce que, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien là, parce que c'est difficile à faire partir le flou, regardez. Voilà. Dedans, il y a le saumon, j'ai mis un peu de sauce, c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà, là, je vais manger ça. Magnifique. Allez, 1, 2, 3. Non, c'est trop bon. Ça, souvent, je le mange vite, mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de manger, parce que il y a des choses, des fois, je prends pas le temps, je suis tellement content de manger que c'est trop pour moi, c'est trop. Aujourd'hui, je prends un peu le temps de manger, parce que ça, c'est ce que je mange la plupart du temps, souvent, beaucoup, hein, je pense que même vous, certains qui regardent la vidéo, vous aussi, vous aimez ça. Et voilà. Après, il y a un truc là à côté, je sais pas c'est quoi. Je vais vous montrer, regardez. Je pense que c'est le même que j'ai pris tout à l'heure. C'est le même que j'ai pris tout à l'heure, je pense. Que le flou, il part. Des... Voilà, vous voyez bien, regardez. C'est le même que j'ai pris tout à l'heure avec une espèce de morceau de tomate. Je pense que c'est la tomate qui est dessus. Et le flou, il ne veut pas partir. Je pense que vous voyez bien. Voilà, regardez. Voilà, je vais manger ça. C'est très très bon. Je vais manger un peu et puis le reste... Je vais couper la vidéo pour manger et déguster tranquillement devant ma télé. Parce que là, si je fais tout ça et je prends trop de temps, je pense que la vidéo va faire 20 minutes. J'ai pas mis de sauce, mais j'ai pu mettre de la sauce. Avec ce, en fait, ce petit truc rouge que vous voyez là, un petit rond que vous avez vu, en fait, c'est un morceau de piment en fait. Parce que ça me pique déjà. Bon, c'est rien, hein. Je ne vais pas mourir. Ah mais, c'est bon en fait. Hein. C'est trop 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 bon. Mais après ça me pique légèrement, mais je ne vais pas mourir, même si je veux boire de l'eau et tout, je ne vais pas mourir. C'est pas comme la vidéo que vous avez vue, que je mangeais les bonbons piquants et tout ça, les trucs comme ça. Quand, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là où j'ai consommé du piment comme ça en un coup. Une boîte de piment, je l'ai terminée comme ça. Je sais pas si vous regardez bien dans mes vidéos, vous allez trouver cette vidéo là où je prenais le piment comme ça. Je sais pas, c'était un jour de Noël, j'avais envie de faire ça, donc j'ai fait ça. Je sais pas, ne m'interrogez pas sur la question, moi-même des fois je sais même pas ce que je fais. Je sais même pas pourquoi. Là je sais que c'est une vidéo de qualité, ça va. Mais des fois des petites idées, c'est comme ça. On me dit avec les potes, t'es capable de faire ça? Et ben moi je dis oui, je suis capable, donc je le fais. Bon alors, pour finir, on va faire ça en fait. Bon, ça vous connaissez en fait, hein. C'est le morceau de saumon avec le riz. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein. C'est bien le morceau de saumon avec le riz. Attendez que le flou part. Regardez, il y a le saumon et le riz qui est dessus. Voilà. Je vais mettre un peu de sauce. Excusez-moi si je mange à la main, de toute façon je me suis lavé les mains. Alors voilà. Sinon je vais finir la vidéo vite puisque j'en connais qui vont avancer la vidéo. Ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas y passer la nuit. Ça serait bon. Allez, 1, 2, 3. C'est bon ça. Très très bon. C'est tellement bon, je vais en prendre un deuxième là. Non, mais c'est bon ça. Tout ce qu'il y a dans l'assiette, là, je vais terminer. Je vais terminer tranquillement parce que c'est trop, trop, trop bon. Franchement, comme c'est bon. Mais franchement, laisse tomber comme c'est bon. Je me régale. Je crois que je vais finir ça tout à l'heure devant la télé parce que là, je suis en train de me régaler. Je mange à la main, excusez-moi, je mange à la main tout à l'heure, je me suis lavé les mains. Bon, je continue, maintenant que je vous ai montré tout ce que je mange, je remange tranquillement. Bon, j'ai pris la fourchette, mais normalement c'est avec des baguettes que je devais manger. Mais je sais pas, quoi que, d'ailleurs on va couper la vidéo, je vais essayer d'en manger avec les baguettes. Je pense que
Je dois avoir une baguette qui traîne par là, attendez. Une baguette japonaise, hein, excusez-moi. On va couper la vidéo 2 minutes là. Je pense que je vais aller chercher ça. Voilà, ceux qui me disent que je ne sais pas le faire, parce qu'il y en a qui me disent que je ne sais pas le faire. Oui, je ne sais pas le faire, mais bon. Des fois, j'aime pas me casser la tête. Bon, allez, on va manger avec les baguettes, on va arrêter ces conneries, on va manger comme un vrai chinois. Comme un vrai chinois. Attendez, je veux boire un peu de jus. À noter, hein, mon jus d'orange, hein, toujours là, il est là, mon jus d'orange. J'ai de l'eau, hein, parce que je fais du sport et du coup, des fois, un peu de musculation et tout. Alors, du coup, je bois de l'eau. C'est que de l'eau dedans que j'ai mis du robinet. Et j'ai mon petit tago. Je pense que vous connaissez le tago. Hein. C'est la base, hein. Franchement, c'est très, très, très bon comme jus. Je kiffe ce jus, j'en bois tout le temps. Tago, c'est du tago, c'est exceptionnel, ça. Hein. On en prend des packs de ça, franchement. Faut que je prenne des packs de ça, tellement c'est bon, c'est génial, franchement. Ça, je devrais faire la miniature et tout, ça. Je parlerai des délires, excusez-moi. Bon, allez, je vais boire un peu de jus, finalement. J'ai trop bu de l'eau tout à l'heure, du tago, j'en bois tout le temps. Un peu mon jus d'orange. De qualité, bien sûr. Éventuellement. Et puis, je veux commencer à manger avec la baguette, hein, parce qu'il y en a qui disent que je ne sais pas manger avec la baguette. Je vais vous montrer que je peux le faire, quand même. Voilà, je vais manger encore un seul ou deux avec la baguette et on passera à la dégustation de la glace pour finir la vidéo. Puisque la vidéo est déjà très très longue. La baguette de qualité, hein, c'est vraiment des baguettes de qualité. Hein. Regardez. Il y a même des... je pense que c'est marqué en chinois dessus. C'est marqué en chinois, moi je ne sais pas ce qui est marqué. J'ai dû le mettre à l'envers, je ne sais pas. S'il y a des chinois qui savent ce qui est marqué. Enfin, on ne voit pas très bien en plus. Enfin bref. C'est parti, on va manger chinois. C'est parti. Alors, comment on fait? Attends, on m'avait dit c'est comme ça je crois. Bon, moi je vais le faire à l'arrache parce que je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'était un truc comme ça là, je ne sais plus en fait. Faudrait que je mange de temps en temps chinois pour me rappeler, mais c'est difficile de me rappeler. Attendez, je suis dans le bon sens, moi? Parce que moi, je discute, mais est-ce que je suis dans le bon sens? Bon, je suis dans le bon sens. Bon, je vais essayer comme ça, je vais essayer un peu à l'arrache, mais bon, vous allez me dire, bon, oui, je sais pas manger chinois, mais bon, c'est toujours bien d'essayer. Bon, alors, je fais comme ça. D'ailleurs, je vais mettre d'abord ma sauce. Comme ça, ma petite sauce. Et je vous montre comment je le soulève. Putain, je galère, hein. Oh là là, c'est malheureux, ça. C'est dur. Je galère un peu, hein. Ça tombe de partout. Je vais pas vous le montrer plus près, mais je vous remets de partout. Donc, j'ai réussi à le mettre dans la bouche. C'est déjà bien. Après, oui, j'arrive pas à bien prendre le manger et tout. Je n'arrive pas à bien le faire, mais c'est vrai. Mais ça s'apprend. Hein. Toute chose s'apprend. Hein. Bon, allez, j'en mange un dernier. Pour vous montrer, celui-là il se casse pas. Hein. Ah non, attendez, je pense que je vais arriver. Voilà, celui-là j'ai réussi à pas le casser. Regardez, je vais l'emmener jusqu'à la caméra. Je suis fort, hein, j'ai réussi. Hein. Regardez, il y a la sauce et tout. Bonne qualité. Hein. Voilà, je suis quand même fort. Hein. J'ai réussi à faire ça quand même. Hein. C'est que je suis fort quand même si j'ai réussi à faire ça. Je fais pas trop le malin parce que ça va finir par tomber. Bon, allez, à la vôtre, les amis. Très bon. Non, chinois, c'est trop bon. J'ai même pas fait la miniature. Bon, allez, je vais faire une miniature, les amis. Pour baptiser ce repas-là. Une miniature avec, avec le même que j'ai pris tout à l'heure. Je vais faire comme ça. Il faut que j'arrive à bien que ça bouge pas. C'est difficile, hein. Franchement, vous voyez comme ça, mais je galère en fait. Là. Je suis en plein galère. Voilà. Voilà, il est tombé. Ben, je vais le prendre, je sais pas moi comment je pourrais le prendre. Comme ça, peut-être, ça va pas tomber. C'est la galère, hein. Franchement, c'est la galère. Hein. Je vais faire une vidéo, comme une miniature comme ça.
Voilà, la miniature est faite. Ou bien j'en fais une deuxième si jamais. Pourquoi j'aime trop tirer la langue? Voilà, la miniature est faite. Bon, ben à la vôtre, les amis. Ah, je me sens plus là, ça y est, je me sens pas. J'arrête. Je vais devenir fou là. J'arrête. On va passer à la glace, les amis. D'abord, on va un petit verre de jus d'orange. C'est que la vidéo a duré là depuis. Et puis c'est parti. Un ou deux crocs de glace. La vidéo sera finie. C'est parti, on va commencer à la glace. C'est parti, les amis. Voilà, les amis, maintenant on va passer au dessert. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise de temps en temps de manger un dessert. Ça fait du bien de manger un bon petit dessert de qualité. Ça fait toujours du bien. Moi, de temps en temps, ça dépend, je change. Je change toujours, tout le temps, je change, je me dis je veux prendre ça comme dessert, ça, je change toujours, j'aime bien changer. Et puis, bon voilà, là aujourd'hui, je me suis dit, bon, aujourd'hui, mon dessert favori, ça va être celui-là. Dessert de très bonne qualité, franchement, regardez. Oui, éventuellement, c'est un Magnum de qualité offensif. Hein. Moi, je kiffe ce genre de Magnum, parce que c'est très très bon, c'est au caramel. Moi, je vous le conseille, quand vous allez à Carrefour et tout, vous en prenez un ou deux. Après, si vous êtes avec de la famille, prenez-en 4, 5, prenez-en beaucoup, parce que ça se finit tellement vite. Parce que le problème, c'est qu'il y en a 4. Si après ça part, tellement c'est bon, ça part vite. Moi, je suis seul chez moi. Ça part pas très vite, puisque éventuellement, moi, je prends un par un et puis je me calme. Mais c'est vrai que des fois, j'enchaîne et ça part très très vite. Bon, alors, c'est parti. Pour finir la vidéo, les amis, il faut finir la vidéo avec une glace de qualité offensive. C'est une glace très 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 bonne. Et désolé pour ceux qui n'aiment pas les cacahuètes et ces trucs-là. Parce que je sais que, bon, moi, je connais des gens qui n'aiment pas les cacahuètes. Surtout pour eux que je dis ça, désolé pour vous. Vous n'aimez pas les cacahuètes, vous n'aimez pas ceux qui n'aiment pas le caramel aussi. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le caramel. Ceux qui ont aussi l'allergie, parce qu'il y a des gens qui ont des allergies. Et puis, voilà, moi, je n'aime pas toutes ces allergies-là. Je ne suis pas allergique au caramel, pas aux cacahuètes, pas à la vanille, pas tout. Je fais partie des gens qui aiment trop les glaces. Et puis voilà. Quand on apprend la glace, elle se montre comme ça en fait. On dirait elle est quand même assez petite, mais franchement, quand vous la mangez, elle est très très bonne. Une qualité offensive. C'est une glace, franchement. Je vous conseille d'acheter une glace comme ça. En ce temps d'été, de chaleur, prenez une glace comme ça. Ça vous coûte que le prix. Ça, elle fait bien son prix, cette glace. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus du prix, c'était 6 euros, enfin bref, je ne me rappelle plus. Je ne suis pas venu pour commencer à parler de prix, mais tous vous dire que cette glace, elle est très très bonne. Je l'ai vue en fait, je l'ai découvert dans une publicité derrière la télé que vous voyez là. Et du coup, dans la publicité, j'ai regardé et j'ai vu cette glace. Je me suis dit, ah tiens, elle est bonne cette glace, on va l'essayer. Et du coup, je me suis dit, tiens, tic-cling, et je vais faire une vidéo de glace. Vous allez me dire, moi et mes petites vidéos de dégustation, et bon, ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéo de dégustation, donc voilà. Bon, j'arrête de parler et je consomme le produit, parce qu'il faut quand même consommer le produit afin de dire aux abonnés, à ceux qui me suivent éventuellement, que le produit est de qualité ou pas. Parce que ça se trouve, je vais croquer, ça ne serait pas la qualité. Bon, c'est parti. Pas mal, hein? Il y a les cacahuètes, le caramel qui sort. Le caramel. Bon, ça fond pas parce que c'est bien congelé, sinon ça va fondre. Et puis il y a la glace dedans. Très très bon. Je pourrais dire que ça c'est une glace de mauvaise qualité. Mais non, je ne dirais pas ça. Parce que ça c'est une glace de qualité offensive, bien sûr. Cette glace c'est vraiment une performance dans cette qualité. Quand vous mangez la glace, vous sentez le goût de la glace, le caramel qui dit bonjour aux cacahuètes, le cacahuète qui dit bonjour au chocolat. C'est très très bon. Qualité, ça c'est la qualité. Ça, là, on peut parler de qualité. Quand vous mangez cette glace, vous pensez à moi, vous dites que ça c'est une glace de qualité, offensive bien sûr. Et vous la savourez, parce qu'il y en a qui mangent vite.
vite, qui enchaîne, et qui termine, qui lâche vite. Et... C'est pas une course, il faut savourer, les amis, il faut savourer tranquillement. Oh. Il faut savourer, il faut que le goût il vienne bien. Ça rentre bien. Tout doucement, vous sucez votre glace. Il faut prendre le temps, il faut bien savourer. Pas être pressé, pourquoi être pressé? Après, je comprends. Je dis comme ça, je comprends. Si tu as un train à prendre, tu manges une glace comme ça, il faut que tu t'affoles, c'est normal. Si tu n'as pas de train et tu as le temps, il faut savourer. Que ce soit devant la télé et tout, tu savoures tranquillement. Moi, je savoure, j'aime bien savourer. Hein. Mais je dis ça surtout parce que je connais beaucoup de gens qui mangent très vite, ils enchaînent. Même quand ils mangent, ils sont pressés. Bon, après, je comprends, hein, vous êtes pressés, vous avez l'habitude, mais bon. Dans tous les temps, il faut prendre le temps, le corps, de bien savourer, de bien manger. Moi, je mange bien, je savoure, je prends le temps. C'est pour ça qu'en même temps, je vous parle. J'ai bien savouré le goût et je passe à la suite. Je remets un goût dessus. Enfin, bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette glace est de bonne qualité. Allez bien à Carrefour et prenez ça. C'est pas pour faire de la pub, hein. C'est pour vous dire que franchement, c'est exceptionnel, cette glace. Elle est exceptionnelle, très très bien. J'ai un peu plus tard, mais c'est bon. Non, arrête, il faut que j'arrête moi aussi. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Mettez un like. À 200 likes dans cette vidéo, je ferai une prochaine vidéo de dégustation. À 200 likes, hein. Je vais 200 likes. Il faut bien que je puisse quand même quelque chose. Dès que j'aurai les 200 pouces, 200 likes, je ferai une autre vidéo de dégustation. À vous dire c'est quoi, je ne sais pas, je verrai bien. Bon, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, quoi, moi, je savoure cette glace. Franchement, c'est la force. Quand je mange cette glace, je me sens plus. La qualité. La qualité offensive. Trop. Salut les amis, salut, j'ai oublié de couper la vidéo, salut.